Et coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo et donc pour une vidéo de Fantasy Life. Et oui, ça fait un petit moment que vous n'avez pas tourné Fantasy Life, je l'avoue, mais bon voilà, si vous suivez toutes mes vidéos, surtout celle du Animal Crossing d'hier, vous savez que je suis pas mal occupée ces temps-ci. Donc voilà, voilà, c'est un petit peu stressant parce que là en fait j'ai pas éteint ma lumière. Donc parce que je tourne la nuit évidemment. Donc c'est un petit peu stressant parce que j'ai pas du tout, en fait j'ai un petit peu le reflet de moi-même mais pas trop. Bref, je verrai pour la suite, la deuxième vidéo que je tournerai de Fantasy Life après. Pour changer ça, c'est pas trop gênant. Alors, Lola, ça te dit de discuter un peu? Il faut sauvegarder pour pouvoir continuer l'histoire. Sauvegarder la progression? Oui. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Hurra! Sauvegarde encore. Éteignez pas la console. Le pré-émeraude est immense, n'est-ce pas? Il est tellement majestueux. On ne peut pas... On ne peut... Encore... En fait, je vous explique un petit peu. Parce que je bute sur des mots. C'est pas que je sais pas lire. C'est juste que là, en fait, j'ai littéralement la moitié des phrases coupées par la webcam. Je tourne à droite, à gauche, sans faire crodier. Grasser plutôt ma chaise, et donc c'est un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que si je m'arrête, c'est juste que là j'ai pas encore trouvé la technique pour filmer, parce que ceux qui suivraient que les Let's Play de Fantasy Life, ça m'étonnerait, mais j'ai changé de caméra. Donc du coup c'est un petit peu pour ça, si j'ai du mal à lire, c'est juste pas que je sais pas lire, c'est juste que voilà. Bref, continuons. On ne peut pas vraiment qualifier le roi Eric de la sorte en revanche. Je veux dire, tu te rends compte? Je n'arrive pas à croire que le maître de guilde puisse... Mince! Une fois lancé, je n'arrête plus de parler. On ferait mieux d'aller se coucher. Tu sais, j'étais en train de me dire, j'aimerais que quelque chose de spécial m'arrive. Comme voir une pluie de météores. Silence. Père, entends-tu ma voix? Tout va bien ici, père. J'espère que tu ne t'inquiètes pas trop pour moi. C'est horrible ces phrases qui mettent 3 heures à s'afficher. Le périple jusqu'ici fut quand même un peu mouvementé. À dire vrai, je me sentais un peu triste. Au tout début, c'est horrible, je vais attendre que tout s'affiche, ou une partie. Je suis arrivée à cet endroit appelé Castel, et pendant un long moment, je n'ai fait qu'errer sans but. Je suis tombée sur cette étrange fontaine, et j'ai perdu des heures à me mirer dans l'eau. À me mirer. Je le vide, je suis pas du tout dans Minecraft. Mais ne t'inquiète pas, j'ai repris le dessus maintenant. Tout ça grâce à la nouvelle amie que je me suis faite, une véritable amie. Maintenant, je pense que tout va aller mieux. C'est horrible ces phrases. Oui, je ne suis plus seule, tu vois. Maintenant, quelle est... à mes côtés, tranquille. Bon, je peux peut-être après mieux parler. Ah, la pierre du club. La fameuse. Lola, Lola, où est-ce que je veux, est-ce que ça va? Où est-ce que je vais, moi? Bravo. Saga de Lunares. Tout commence avec un fracas. Eh ben, on commence avec un fracas. Alors, j'essaie de cadrer un petit peu ça. Le géant. Bon, je mets un petit bord noir du côté de là. C'est une... En fait, c'est le seul truc que je n'arrive pas en fait encore à trop bien régler.
c'est minime et on voit quand même tout l'écran, donc c'est pas mal quand même. Bref, alors, va voir Flotillon. Alors, Flotillon est au milieu. Lola, je suis si contente que tu ailles bien. Hein, moi ? Je vais bien. J'ai réussi à volter loin du danger. Quand même, quel choc ! Je me demande ce qu'il s'est passé. Les rapports indiquent que c'est un... que c'est à cet endroit. Ma bouche veut parler plus vite que ce que je dis, alors du coup ça fait un truc bizarre. Donc c'est ici que c'est tombé. Écoutez. Et on va essayer de faire bouger la déesse pendant que je parle. Écoutez, vous tous. Faites extrêmement attention lorsque vous allez extraire cette chose. Il est possible qu'elle se brise à cause de la violence de l'impact. Qui est-ce? Hé, hey, toi là! Tu es la locataire de la chambre du haut? Eh bien, tu parles d'un coup de chance. Imagine ça, une pierre du chaos qui tombe sur ta propre chambre. Tu n'as pas une... égratignure? Professeur Hugues, nous avons achevé le processus de récupération. Votre travail apporté là dans mes appartements au château. Je ne mettrai pas ça, moi, dans mes appartements du château. Bref. Ah, et au fait, ne te fais pas d'idée. Ce n'est pas parce que cette chose est tombée sur ton toit qu'elle t'appartient. Je la prends pour mener des recherches. Ne fatigue pas ta petite cervelle à tenter de comprendre. Je m'appelle Hugues. Hugues. Professeur Hugues. Chercheur royal de Castel. J'ai arrêté de faire des voix bizarres. J'essaie de mettre du peps. Parce que c'est que de la lecture. Ça fait déjà 7 minutes que je lis. Et que je me bataille avec une webcam. Je suis sûr que tu as hâte de me connaître. De me connaître. Je suis sûr que tu as hâte de connaître le résultat de mes recherches. Passe une bonne journée. Ah, il est parti. C'était quoi ce caillou? Caillou. J'ai pas eu le temps de lire. Lola, ça doit être... Oh, bonté divine, vous n'êtes pas blessé. Oh, bonjour Maggie. À dire Maggie. Non, nous n'avons rien. Ce que j'aime bien, c'est que je parle pas beaucoup, hein, quand même. C'est beaucoup Flotillon qui parle pour moi, je trouve. Parle à Maggie. Allez, parle-moi à Maggie. C'est l'épisode du blabla. On m'a dit qu'un caillou géant était tombé sur ma maison. Je veux dire, sur ta chambre. Alors, j'ai couru vers la maison aussi vite que j'ai pu. Je suis soulagée de vous voir en bonne santé. Oh, un trou. Oh, ça fait un énorme trou. J'ai inversé les mots, c'est pas grave. Tu pourras voir Lunarez quand tu seras dans ton lit. Oh super, je suis contente. Je vais appeler un menuisier, il saura préparer ça. Laisse-moi m'occuper de tout ça, d'accord? Ouais, bah je comptais pas m'en occuper en même temps. Il faut que ça serve à quelque chose de payer autant pour l'assurance royale. Oh, au fait, cette fille sur le toit. Elle n'est pas blessée, j'espère. Fille sur le toit. Hein? Tu sais cette fille sur le toit? Celle qui parle aux étoiles. Ce n'est pas une amie à toi. Et tu ne la connais pas non plus, Flotillon. Je ne vois pas de qui vous parlez. Bon, j'ai légèrement envie arrêtez de lire. Donc je vous laisse lire. Surtout pendant que je bois un coup. Ah, ma bouteille elle sort du frigo, elle est trempée. Ok, je m'y mets. Oui, bon voilà. Hein. J'ai même entendu dire qu'une autre était tombée autre jour dans le pré. Lola, nous devrions aller pour y retourner. Maggie, cette autre pierre, pensez-vous qu'elle sera toujours là-bas? Oh ma parole, tu es une petite bête bien curieuse. Si tu veux aller jeter un œil, tu devrais te dépêcher avant qu'elle ne soit ramenée au château. Ça marche, on s'en occupe. Oh, Pierre. Écoute, Raoul, tu as entendu ça?
c'est le moment un petit peu bizarre dans la vidéo, c'est quand je bois et que je ne dis plus rien, la vidéo n'avance plus. Pour sûr, frérot. Ah, j'ai envie de faire une voix bizarre à Raoul. Allez, on va le faire. Avec l'assurance royale, même une pierre de chaos dans ton toit, c'est de la rigolade. Mais qui ça intéresse, sa tête d'ardoise? L'important, c'est qu'ils ont dit qu'il y en avait une autre pierre du... C'est flippant comme musique. J'espère que vous entendez la musique parce que c'est vachement flippant. Là, ça va encore, mais... Pierre du chaos du côté du pré-Hemhood. Ah ouais, cette partie-là? Ouais, frérot, j'ai entendu. Tu as vu ce vieux grigoun de Hugues. Je l'ai appelé Hugues, tout simple, parce que je vais pas finir. La façon qu'il avait de regarder la pierre du chaos, on aurait dit qu'il était tombé amoureux. Je parie qu'il paierait le prix fort pour pouvoir mettre ses sales pattes sur une autre pierre du chaos. Oh, je pire, frérot. On va aller la choper, cette pierre du chaos. Avant lui. Et là, lui remonte un brillant. Ok, j'arrête. Je vous jure que j'arrête mes accents. C'est juste que là, en fait, pour vous situer un petit peu dans le temps, parce que là, on n'a pas trop l'impression. Mais il est 00h39. Exactement. Et j'ai juste la tête. Je pète un câble. Pourtant, je bois pas d'alcool. Voilà. La vidéo va durer un tout petit peu plus longtemps parce que j'arrête pas de parler et de boire dans la vidéo, donc du coup la vidéo n'avance pas et donc ça va durer un tout petit peu plus longtemps. Raoul, pour une fois, tu m'impressionnes. Et puis on pourra utiliser tous ces rêves pour souscrire à l'assurance royale. Oh misère. Pour l'instant, allons-y et trouvons la pierre du chaos. Alors... C'était donc bien une pierre du chaos. Ah. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le garçon, ce n'est pas un garçon. Parce que moi j'ai avancé en fait dans ma partie principale, donc je sais que c'est pas un garçon. C'est pour ça que je ne fais pas une voix de garçon. Je ne dis rien de plus, rien de moins. Bon. Alors on va aller au pré-Hemhood Est. On va essayer d'aller trouver ce magnifique bout de caillou. Bon, c'était un petit peu... Je sais pas pourquoi en fait ma DS est de travers. Enfin la caméra en fait ça fait comme si c'était de travers, pourtant c'est droit. Bon c'est pas grave. Je me courais un petit peu. Je ramasse rien ou comme ça. Hop. Hey vous là-bas. Je crois qu'on nous a appelé. S'il vous plaît, ne dites rien. Ne les laissez pas me prendre. Hein? Mon dieu! Mustang. C'est pas un cheval, une race de cheval, ça, Mustang. Hey, vous! Avez-vous vu un garçon manqué avec un chapeau bleu? Ah non. Je voulais dire, avez-vous vu passer un jeune garnement? Comment dire, si vous cherchez le garçon au chapeau bleu, il est parti par là en direction de la ville. N'est-ce pas, Lola? Bien sûr. Oh, il est reparti vers la ville. Votre coopération nous est très précieuse. Demi-tour, Saxon! Nous rentrons vers la ville. À vos ordres, mon capitaine. C'est l'épisode de la voix. Fiou! Merci beaucoup. Si vous ne m'aviez pas apporté votre aide... Hein? Vous? Je vous ai déjà vu? Ne me dites pas que... Vous cherchez la pierre du chaos? Oui. C'est pour ça qu'on est là. Toi aussi, la pierre du chaos t'intéresse? Oui, en effet. Je suis assurément... Ouais, ça m'intéresse carrément. Ça pourrait être quelque chose de très important. Vous voulez qu'on aille voir la pierre ensemble? Oui, on n'a qu'à faire ça. Au fait, moi c'est Fautillon, et je te présente Lola. Si je suis avec vous deux, ils ont du mal à m'attraper, hein. Non, rien. Ils?
Tu veux dire les soldats qui suivaient le type de avec la moustache boomerang? Hey! Oh! C'est bien ça. Bon, ne traînons pas là-dessus pour le moment. Tu es Lola, n'est-ce pas? C'est un plaisir de te rencontrer. Allez, en route. Garçon, rejoins ton groupe. Allez. Est-ce que je vais pas m'arrêter? J'avais dit que la vidéo allait durer un peu plus longtemps. J'ai peur d'être prise dans un grand dialogue. C'est pour ça. Oups, je me suis trompée. Bon. On va se rendre doucement vers le pré-émeraude. Et je vais arrêter la vidéo là. J'avais dit que la vidéo allait être un petit peu plus longtemps. Mais voilà. Petite avant-goût du prochain épisode. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo d'après sera un peu plus longue aussi pour compenser le manque d'une de vidéo et puis deux de blabla durant la vidéo. On va alors avoir la pierre du chaos et après je sais pas ce qu'on aura dans le prochain épisode. Donc bref, je vous fais plein de gros bisous. J'enchaîne l'épisode juste pour vous dire un peu pour pas que j'ai l'air enfin. De toute façon, je peux pas sauvegarder. Bref, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure avec un petit Lola et Chotillon. Et donc le garçon qui n'est pas un garçon. Allez, à bientôt!